qui vit dans un ananas au fond de la mer. Alors, on n'est pas bien là, hein, Bob? Eh, hey, Bob l'éponge. Ah, c'est notre idole. Nous, c'est notre idole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours posé sur ce petit spot et on s'en va aujourd'hui visiter une toute petite ville, un petit village dont je ne me rappelle même plus le nom. Alors, je vais vous le marquer là parce que c'est un peu compliqué, hein. Qu'est-ce qu'on est beau. Et faut que je vous fasse voir un truc. Faut que je vous fasse voir un truc. Regarde là un peu. Toutoune, les coups de soleil, quoi. Hey. Mais moi aussi, regarde. Ah, ça. Ça fait 4 jours. Elle doit avoir trop mal et toutounette, c'est pareil. 4 jours qu'on est là. Pour vous dire l'intensité de... ouais. Du soleil. Regardez. Ouais, ouais, ça chauffe bien. Hein. Ouais, 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 ça chauffe super bien. Ouais, il fait très, très, très chaud. On est ici, donc on est à même pas 2 heures de Gibraltar en fait, on est juste au-dessus de Ronda. Bon, on l'avait dit dans l'autre vidéo en fait, hein, on voulait accessoirement peut-être le visiter hier soir, mais non. Hier on en a profité pour faire toutes nos petites lessives avec notre machine qui marche très très bien. Et puis on a passé la soirée tranquillou à regarder le match et puis prendre un peu le temps. Moi j'ai fini ma maison pour ma feuille. Ouais, donc voilà, on a passé la soirée tranquillou, là... On remet le... Tu vois là? Ouais, parce que j'ai un peu... Je suis en train de remettre... J'ai un peu bougé sur l'eau hier. Ouais, on a pris des douches, comment dire... longues. Longues, hein. On a pris le temps vu qu'on était à côté de l'eau. Et là, du coup, on rempote. Mais bon, c'est l'eau qui met 30 ans. Ouais, donc, il n'y a aucun débit. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, on aura le plein. On a revidé la cassette parce qu'on a fait des gros caca. Hein. Et puis, maintenant, on prend la route. Et suivez-nous, on va aller voir ce joli village. Bon, on vient d'arriver. On est garé à côté des bus, là, tu vois. On est garé là. Franchement, je te garantis. On était dans un village qui se trouve à peine à 10 bornes, hein, d'accord. Je préfère faire 3 heures d'autoroute. Niveau fatigue, niveau tout ce que tu veux, que ce que je viens de faire là. Pour sortir du village, j'ai dû passer dans des rues. Je me suis retrouvé bloqué. Une rue qui faisait 2 mètres de large. Tu pouvais pas passer le camping-car. Obligé de faire demi-tour. Toutoune qui sort à pieds nus pour me guider. J'en ai chié. Vraiment, j'ai fait 36 manœuvres pour pouvoir sortir de cette impasse là. Tout le village était en petite ruelle. Un truc de fou. Il n'y a qu'une seule rue où déjà tu as peur de t'engager. C'est un flic qui nous a fait si vous pouvez passer, vous pouvez passer. Sinon, je sortais même pas du village. Je sais même pas comment j'ai fait pour me... Je sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs pour arriver dans ce village. Je suis arrivé par une espèce de route de campagne tout pourrie. Et pour sortir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en camping-car, c'est même pas la peine. Bon, bref, on est quand même arrivé. J'ai pas filmé tout ce bordel parce que j'avais les nerfs en plot et j'avais pas du tout j'ai même pas eu le déclic de me dire tiens, je vais filmer. Pourtant, ça aurait fait un truc cool, mais non, non, là, c'était l'agacement. Bon, on est à Centenil de las Bordegas. Je sais pas si je l'ai bien dit, hein. Mais bon, là on y va. Allez, on y va, on est garé juste à l'entrée de la ville. Parce qu'après, de toute façon, on repart par là, ça sert à rien qu'on aille se faire chier. Puis je suis allé voir, on est encore dans des jolies ruelles. Donc, en pente, on sait pas, non, mais c'est bon. C'est bon, merci, ça ira. On est en camping-car, on n'est pas en mobylette. Comment ça, j'ai l'air con avec mon t-shirt Bob l'éponge? J'ai le droit, j'ai 16 ans. Bah 14, 14, 41. Moi j'ai changé mon t-shirt. Ah, t'as changé? Parce que j'avais trop chaud. Ah, c'est parce qu'elle voulait des manches courtes. Oh. Pour bronzer. Elle a pas pour assumé. Bronzer. Thank you.
C'est sympa, hein? Avoue que c'est sympa. Bon, c'est le genre de visite super sympa, vraiment c'est très très joli, mais c'est le truc qui te prendra pas la journée quoi, c'est le truc qui te prendra un bon après-midi si vraiment tu traînes quoi, c'est tout. Donc nous là tu vois, on l'a vu, on va essayer de trouver un petit truc à manger ou je sais pas, puis après on va prendre la route, on va partir sur Gibraltar, parce qu'après on embarque. Allez, on va décoller direction faire 2-3 courses. On va trouver un supermarché, faire 2-3 courses, et puis ensuite direction Gibraltar. On se rapproche de l'embarquement. Ouais, puis on va visiter quand même Gibraltar avant, et puis ensuite on se gare pour Algeciras pour prendre les tickets, et on embarquera, je pense, demain. Inch'Allah que je pars demain, Inch'Allah que je pars demain. Bon, ça donne quoi les courses dans un Lidl en Andalousie? Et je trouve que c'est moins cher parce c'est un que petit peu moins cher, ouais. Quand tu ressors avec ton caddie, il est 31€. 31€ là, le caddie. Et bon, là, ouais, j'ai comparé, il me restait un ticket français. Et les fausses Red Bull, 10 centimes d'écart. Elles sont à 39€, ouais, ici, elles sont à 40€. T'as à peu près 10, 20, ouais, 20 centimes par article de moins cher, je trouve, sur les trucs. Bon. Non, ça, je trouve que c'est un peu moins cher, mais c'est pas non plus donné. En tout cas, ici, ils sont moins cons. Hein. Ils sont moins cons qu'en France. On te vole pas le caddie, quoi. Hein. Bon, voilà, on est arrivé à Gibraltar. Enfin, on est juste en face. Le rocher est devant. Enfin, vous le verrez pas, là, il est... Regardez. Hein. Voilà, il est là. Il est là, le truc. On est sur un grand parking hein, qui donne face à la mer. Ouais, les barrières étaient levées, alors on s'est dit tiens, vas-y, on se met là. Je sais pas, il n'y a pas de ticket, il n'y a rien, je pense que c'est complètement gratuit. Enfin, on verra tout à l'heure en partant. Donc on reste là juste le temps de la visite. Et puis ensuite, on part à 10 minutes de là, à Algeciras, pour être juste face à l'agence avant d'embarquer. Vraiment, ce matin, j'ai vraiment, vraiment de la chance. Là, tu vois qu'il n'a pas été touché ce matin. J'aurais pu l'accrocher 100 fois en faisant marche arrière dans la petite rue, là. En faisant mon demi-tour, j'aurais pu le déglinguer 20 fois, le camping-car. J'ai eu de la chance. Ouais. Bon, allez, vous êtes prêtes? Moi, j'ai mis ma banane. Je suis équipé avec eux, je vous jure. C'est pas le même camion. Un marchand de glace, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, en fait. Ça, ouais. On en avait un dans la ville où on a grandi. Et puis depuis qu'on a déménagé, on n'en voit plus. Tiens, je me souviens que quand je m'entendais, je courais vite. J'essayais de générer et tout. Je courais pour pouvoir ouvrir la porte et sortir la rue. J'attendais le marchand de glace. Mais je sais que tu me fais bien.
traverse parce qu'on est arrivé à l'entrée de Gibraltar. Allez, viens mon lapin. On y va. Sortir les passeports, je pense qu'ils vont nous le demander. Allez, on est en territoire anglais. Bon, la particularité de Gibraltar, c'est que tu traverses la piste d'autoroute. D'aéroport. D'aéroport. C'est où le bateau il va arriver? Quel bateau? Ah, c'est pas ici. Hein. Là, t'es sur la piste des avions. Alia. Là, c'est la piste des avions. C'est sur l'aéroport de Gibraltar. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit que Gibraltar, c'était anglais. C'est le Royaume-Uni, hein, c'est pas l'Angleterre. Il y a juste la monnaie italienne. La monnaie italienne, non, c'est les euros, moi, là-bas. Là, on va changer, on va faire le change. On va prendre des livres. Des livres sterling. Regarde, on dirait des ignares, on dirait des idiots qui sont tout contents d'avoir des pièces. On n'a jamais rien vu de notre vie. Moi j'ai déjà vu. On pensait que c'était des bouquins. Allez, on y est. Pardon, mais là on rentre vraiment dans le centre en fait. Regarde, on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, j'ai pas envie de changer avec lui. Ah, si tu fais du change, t'es obligé de le dépenser. S'il n'y a pas d'euros. Et on passe pas de l'euro 2024. Ah, qu'est-ce que tu fais là, planète des singes? C'est de la gelée qu'il y a dedans. C'est quoi que tu bois? Un Mentos? C'est de la gelée. Nous on boit quoi? Un Fanta Cherry. C'est de la gelée qu'il y a en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu vois ton t-shirt, t'es Rolling Stone. Ah ouais. Il est beau. C'est gratuit, à peu près. Ah bah t'as fait le tour du centre, hein. Enfin le tour, t'as fait Main Street. T'as vu l'accent un peu? On voit que je prends des cours sur Babel avant de partir en vacances, hein. Par contre on hallucine parce que nous on vient de là, on était en Espagne, ils mangent à je sais pas quelle heure. On arrive ici. Ils mangent tard? Ouais, on arrive ici dans... Il fait un tour. Territoire des Royaumes-Unis, 18h, les magasins ils ferment. Sans déconner quoi. C'est fou quoi. Non mais oh, on est au mois d'août, enfin au mois de juillet. Enfin c'est l'été quoi, saison estivale, merde. Attends, le touriste. Samedi, oh. Ça ferme à 4h. Ouais, le samedi, attends, le samedi il ferme à 4h de l'après-midi quoi.
Attends, En Espagne, il y avait des endroits où samedi, ça ouvrait pas du tout. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en Espagne, il y a des endroits où ils fermaient pas du tout. Enfin, ils ouvraient pas du tout le samedi. Quoi. Ouais. Tu sais plus. Ouais, mais là quand même, quoi. Elle rigole, franchement. Regarde un peu le truc, là. Regarde. Le jeu de dada avec, avec la reine d'Angleterre. C'est pas énorme. Et tu veux une boîte avec un cœur avec la photo de l'autre, là? Non, sans déconner, quoi. Putain. Ah, mais ça tue. Là, franchement, ça c'est énorme. Bonjour, toi. Bonjour, vous deux. Tu veux une frite? Hein, viens. Hop. Tiens, regarde, allez bien. On a trouvé ça comment, Toutoun? Ça va, c'est à voir après. Ça va voir une fois en vrai. On va passer à côté sans le voir. Ouais, voilà. Elle n'est pas passée à côté sans y avoir été. Mais c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas un truc de fou comme on s'attendait, quoi. Alors, ouais, ça ferme un peu de bonheur. Hein? Un peu. Ça ferme un peu de bonheur. Ouais, les magasins ferment à 6h, quoi. C'est un truc de fou. Tu n'as toujours pas fait de shopping? T'as toujours pas trouvé de trucs à acheter. Hein. Voilà, ça fait un peu bizarre, quoi. Alors, on s'attendait un petit peu plus à un esprit un peu plus british, un peu anglais, en fin de compte. En plus, bon. On s'est prêté au jeu parce qu'on a échangé. Ouais. En livres, et en fait, tu peux payer en euros. Ouais, puis en plus, ouais, tu peux payer en euros la plupart du temps. Ouais, peut-être que par moi, perso, je savais pas. Ah, ouais, non, non plus. Hein. Non, mais c'est une découverte. Si vous êtes de passage, arrêtez-vous-y. Mais ça vaut pas la journée, hein. Ça vaut une après-midi et puis au revoir, hein. C'est bon. Ça vaut pas, je pense, trop longtemps. Après, il y a les singes, allez voir si vous voulez, là-haut, là. Tout là-haut, il y a le truc des singes. Bon, après, c'est à peu près la même chose à Rocamadour. Alors bon, on va pas réédire, on va pas perdre du temps avec ça. Et je vais en voir plein de... Et ouais, voilà, puis au Maroc, tu peux en voir aussi. Hein. Donc je pense pas que... Enfin, nous, on a préféré zapper ça. Mais c'est une activité comme une autre que tu peux faire ici. Bon, on traverse la piste d'avion. Est-ce que vous vous souvenez de ces biscuits-là? C'était trop bon, ça. C'était bon, ça. Bon, on en trouve ici. Et ça, tu t'en souviens de ça? Quand j'étais petit, il y en avait de ça, des polos. Et ça, en France, tu galères à en trouver, à part dans le rayon pour les oiseaux. Et là, regarde, tu vois les graines de tournesol, là, les pipas, la salée, là. Ils en ont tout un rayon, quoi. Contrôle passeport, devine qui c'est qui est retenu et qui, qui est contrôlé. C'est moi, tu vois. J'ai une barbe et tout, tu vois. Je pense qu'ils m'ont regardé deux. Ils ont pris mon passeport et ils l'ont passé au machin, là. Ils ont fait passer tout le monde. Moi, je suis resté là. Restez sur le côté, monsieur. Bon, ça n'a pas duré 10 ans, mais bon. Bon, ça nous fait toujours rire, quoi. Et une tête de terroriste, tu vois, donc bon. J'ai la tête de l'emploi, ma toutoune. Bon, demain, ils vont me laisser rentrer là-bas. Par contre, est-ce que je pourrais revenir? Est-ce que je pourrais rentrer en Europe après? Ça, c'est une autre chose, ça.
Allez, ce soir nous voilà posés. On est là au milieu d'autres camping-cars qui doivent tous, à mon avis, attendre pour aller au Maroc. On est à 10 minutes à pied de l'agence Guy Thérèse. Et puis demain matin, eh ben, direction l'achat des tickets. On va voir comment ça se passe. J'en ai aucune idée. Ça va être l'aventure, hein, Toutoun. Ça va être l'aventure. Là, on va quitter l'Europe. Ça va faire très, très, très bizarre pour nous. Hein. Non, mais justement, parce qu'on va découvrir. T'as dit quoi ? J'espère que ça va pas ne pas nous plaire, parce que c'est la première fois, on va découvrir, alors Ah oui. Ça va t'énerver. Ouais, c'est l'aventure, on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas trop, on sait pas plein de trucs en fait, on sait pas, c'est facile en Europe hein, pour faire les services, pour faire les machins, les trucs. Là quand tu regardes le parc Fortnite, c'est un peu vide, je sais pas, on va voir, on verra demain, on fera comme tout le monde. Hein. Allez, cette vidéo se termine, on vous fait des gros bisous, parce que nous on va se reposer, et à la prochaine. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.